ne suis pas le traducteur de Zelazny, j'ai juste traduit ce texte-là, qui est une novella, qui est un texte court. C'est la première fois que je traduis cet auteur, qui a par ailleurs été déjà beaucoup traduit. Quasiment tous ses romans ont été traduits, je pense. Et donc, c'était la première fois que je faisais ça. Sur un texte, donc une novella qui faisait, je ne sais pas combien ça fait, 120 pages, une centaine de pages. Et la difficulté, c'était de vraiment rendre le style de l'auteur, qui est sur ce texte très travaillé, très particulier. Tout repose en fait sur la narration et la narratrice et la façon dont elle s'exprime avec son flux de conscience en fait, où on suit vraiment ses pérégrinations à travers le Japon d'un futur proche. Et il fallait arriver à rendre ce ton à la fois de récit de voyage et d'introspection de la conscience, avec plein de références à la philosophie, plein de citations d'auteurs anglo-saxons. Donc il fallait aller trouver peut-être les traductions déjà existantes et de vieux philosophes. Hein. Donc il y avait tout ce travail-là, et après il y avait vraiment la langue à rendre. Et Zelazny est vraiment un grand styliste. Donc c'était à la fois très compliqué et très intéressant et très passionnant, parce que quand il y a des problèmes et que c'est compliqué, quand on arrive à les résoudre, c'est formidable. En traduisant, chaque chapitre correspond à une estampe d'Hokusai. Donc le titre de la novella, c'est 24 vues du mont Fuji. Et je crois que dans le recueil d'estampes, il y en a 36, donc lui, il n'en a choisi que 24. Et donc à chaque fois, je suis allé chercher sur Internet une reproduction de l'estampe en question. Et qui m'a aidé, oui, alors elles sont toutes décrites parfaitement dans le texte. Mais en les voyant, ça me permettait peut-être de faire des ajustements, de voir vraiment de quoi il parlait, et aussi de me mettre vraiment dans l'ambiance, et peut-être de comprendre des choses que lui avait compris en écrivant, j'imagine, en regardant lui aussi ses estampes. Donc c'était aussi un moyen de refaire le lien avec lui, en fait, de se remettre dans la position dans laquelle lui, il avait écrit le texte. J'ai traduit le texte pour ce qu'il était, sans... tu vois, c'est un texte très différent de certaines œuvres de fantasy, des Princes Marchands, par exemple, de Zelazny. Donc j'ai vraiment traduit le texte pour ce qu'il était, qui est une espèce de texte de proto-cyberpunk en début des années 80, enfin, quelque chose à la fois très moderne, très ancien, et qui tient vraiment sur son style. On était loin de la fantasy à laquelle il nous avait habitués, et donc non, j'ai vraiment fait abstraction de tout ça, et je me suis concentré que sur le texte. Au niveau du vocabulaire, non, ça n'a pas posé de problème particulier en fonction de, par rapport à la date de rédaction. En revanche, c'est une langue très recherchée, avec des mots anglais pas forcément usités dans le tout venant de la science-fiction ou du genre qui est plus... Voilà, plutôt des récits d'aventure pour certains. Et là, Zelazny a vraiment travaillé sur la philosophie, la conscience, le libre arbitre, le destin, la mort. Et il utilise des concepts assez complexes, avec des mots assez complexes. Et donc, il fallait parfois un peu s'éloigner de ces tournures pour arriver à les rendre vraiment compréhensibles en français. Tout en gardant le fait qu'il utilisait des mots pas forcément très courants, quoi. Le travail du traducteur est revu par l'éditeur de la même façon qu'il l'est pour un auteur. Là, en l'occurrence, il y a eu deux correcteurs, relecteurs, si tu veux, qui ont travaillé vraiment sur le texte avec moi et qui ont corrigé des choses, qui m'ont fait des propositions. On a revu un peu ensemble. Et puis, comme d'habitude, voilà, tu reçois les épreuves, un bon tiré. C'est exactement le même travail que si c'était un texte que moi j'avais écrit.